Bon, oh, allons bon, c'est parti à remettre. Il est clair que mon maître distingue tendrement votre maîtresse. Aujourd'hui même, il m'a confié qu'il méditait de vous communiquer ses sentiments. Comme il lui plaira. La réponse que j'aurais vous donne là, t'as dû communiquer sur la petite. Pourtant, remarquons que la comtesse se plaît avec mon maître. Quelle a l'âme joyeuse au dévoilé. Cela m'embarrasse. Comme ta maîtresse est une femme. Ah, fort raisonnable. J'ai
peur qu'il ne se moque de moi et que je ne sache plus que lui dire. De sorte que... Rêvé, ça serait bon que tu as fait quelque chose. Mais je vous demande pardon, monsieur Marie. Mais il va arriver tout le contraire. Je ne puis rien pour vous en vérité. Mais d'où vient? Je t'aurais grande obligation. Je ferais bien t'aider. Et si ce garçon-là te convenait, Tic, c'est lui, Tic, c'est lui, Tic, c'est moi. Mais Tic, c'est pas lui, Tic, c'est Tic, Tic.
C'est un soupirant qui a l'air fort simple, un air de bonhomme, bien bouti. Ah, Margot. Narrateur. Ton voisin, ton. Mais qu'est-ce qui s'en passe là? Si. Essayez de voir, Non, c'est moi, Marquis. C'est moi, Marquis. C'est moi, Marquis. Et même est-ce que je vous aurais donné le vôtre? Mais vous savez bien que non. D'où vient
Il ne me manquait plus que cette rêveur. Au surplus, je m'en plains pas, je ne vous conviens point.
vert, il y a plus qu'à me taire, je me tairai. Très bien. Ah Monsieur le Marquis,
dernier, mais enfin, qui est-ce qui souhaitait avoir un notaire aujourd'hui? Insistez. Je vous en prie, marquis. Vous aurez la bonté d'attendre à demain, monsieur chevalier. Vous n'êtes pas si pressé. Votre fantaisie n'est pas du fait sa vérité qu'on s'est le temps pour elle. Non. Ce serait ce soir, ici, un embarras qui nous dérangerait. J'ai quelques affaires. Demain, il sera prêt. Précise. Comtesse, de grâce. De grâce? Il était rempli de prières. Il est donc bien à l'autre quand sa maîtresse va marier à son rival. Comme monsieur Conrad. Vous serez bien impoli de jouer, madame. Au surplus, je m'en remets à elle. Demain serait bon. Dès qu'elle est consent, il n'y a qu'à envoyer les piles. Lisette, mon ombre. Mais ce coup de cœur soigné,
qui est tout froissé. Il est tout froissé. Vous parlez tout un étage. Presque. Je m'étonne qu'ils ne sont pas au village. Parce que tu peux venir. Et partez les pieds, mon pauvre, oh. Dans une voiture. Oh non. Vous dirais-je le vrai, madame, faites-moi la grâce de me dispenser de la commission. Monsieur traite avec vous de sa ruine, et vous n'aimez pas. J'en ai connaissance. Et ce mariage ne peut être que fatal. Je me ferai un reproche. Et à mon part, je parle en conscience. Et si mon scrupule déplaît, que l'on me chasse, que l'on me dise... Attends. Je m'y soumets. Ma projeté de plus. Me connaît assez pour être persuadé qu'il ne me verra plus. Adieu, je vais faire mon billet.
Nous l'avons constaté ailleurs si vous trouvez bon. Eh bien, nous irons chez votre voisine. Oui, si j'en suis d'avis, car enfin je ne connais point cette voisine. N'importe où si vous en tirez. Je vous quitte. Justice. Ah non, voilà qui est fini. Je ne saurais le mépriser davantage. Chevalier,
donner 200 000 francs plutôt que de l'épouser. Non, parbleu, je n'irai pas m'accommoder jusque-là, je ne pourrai pas les trouver sans déranger. Mais ne vous ai-je pas dit que j'ai justement la boîte tiède, cette homme-là, toute prête? À l'égard du reste, on tâchera de la faire. Mais quand on emprunte, ne faut-il pas rendre? Si vous aviez voulu de moi, à la bonne heure, dès qu'il n'y a rien à faire, je retire la demoiselle. Elle serait trop chère à renvoyer. Trop chère? Mais prenez donc garde, vous parlez comme eux. Seriez-vous donc capable de sentir aussi méfiant? Il serait mieux qu'ils vous emprunte à tout votre bien que de la retenir. Ce que vous n'avez pas, monsieur. Mais on aimerait une autre davantage? À l'exception de vous, toute femme est égale. Brune, blonde, petite ou grande, cela revient au même. Puisque je ne vous ai pas, et que je ne puis vous avoir, il n'y a que vous que j'aimais. Voyez donc comment vous ferez, car en face, c'est une nécessité que je vous épouse à cause de la situation désagréable où vous êtes. En vérité, ça paraît bien fort parti. Tout le mal qu'il y a, c'est que j'épouserai cette fille avec un peu plus de peine que je n'en aurais eu sans vous. Qui est admirable, je comprends. Et voyez,
que je vous offre. Moi qui ai plus de pensamiento.